Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Far Cry Blood Dragon. Voilà, donc préalablement nous avions explosé ce gros générateur pas beau avec ce gros scientifique tout mort. Épisode 4, hein, donc du coup voilà, 4 comme mes doigts. Et donc suite aux assauts des forces, je ne sais plus quoi parce que j'ai un trou de mémoire, nous sommes sortis victorieux de cette bataille et nous avons donc un nouvel objectif, c'est exploser des trucs. Bon, bah écoutez les amis, hein, allons exploser des trucs. Hop, on va peut-être pousser le bateau. Ah d'accord, ok. Non, bah ok. Non mais je voulais le prendre, mais bon apparemment je vois que j'ai pas trop le droit. Donc c'est pas grave. Alors on plonge avec classe les amis. Jolie animation. Une autre animation qui me fait bien délirer, hein, c'est le fuck. Fuck, fuck. Voilà, je peux faire un double fuck. Ça me fait triper. Alors, on avance du coup et on va se diriger en direction du marqueur pour exploser des trucs. Voilà. Alors comme depuis le début, on a un peu pris pour des teubés. Je vous avoue que l'objectif exploser des trucs peut me faire potentiellement rire. Hop. Alors, on va sauter, voilà, et on peut monter ici en théorie, voili voilou. Alors, gros pétard, pas gros pétard, j'ai pas fait d'objectif secondaire, j'ai rien de fait de plus, j'éteins mon téléphone, hein, voilà. Rien de fait plus que ce que nous avons vu précédemment. J'ai un petit peu du mal à parler là, ça y est, je commence à être fatigué. Ici, on est déjà passé. Alors, pour explication, les faisceaux verts, c'est là où nous avons délivré en fait le camp, en fait, et les vaisseaux rouges. Les faisceaux rouges, c'est là où nous devons potentiellement aller si nous voudrions terminer le jeu à 100%. Bon, ce qui n'est pas forcément mon cas, je vous l'avoue, hein, je suis là pour vous présenter le jeu juste dans ses quêtes principales. Hop. Et si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, je vous invite à le faire, c'est juste magique. On se tape des grosses barres, hein. On se tape vraiment des grosses barres. Hop. Alors, allons exploser des trucs. Allez, allez, c'est loin, c'est pas loin, non, on est à 400 mètres. Ça a l'air d'être dans le canyon. Donc on va y aller. Hop. Si toi aussi t'as toujours rêvé d'être un cyborg, plus vert. Ah non, pas eux. On s'éloigne vachement pour exploser des trucs quand même. Hein. Y'a du peuple ou pas sur zone? Non, ça va. Ouais, y'a du peuple. Hop, on va la jouer Scred. Alors, tout à l'heure le camp avait bougé, donc... cocktail Molotov. Je sais pas comment ça se lance. Comme ça. Et comme ça. C'est pas mauvais comme tir, mais c'est mauvais. Hein? Dans l'esprit, je crois que je vais me faire choper. Oh, j'ai ameuté tout le monde et tout. Vas-y, je vais lancer un gros cœur. Va chercher. Comme j'ai vu qu'au fond, il y avait un copain. Bah, simplement... simplement courir. Hein, voilà, on va pas se prendre la tête plus que ça puisqu'on a un dragon qui est avec nous. Ah mais ils prennent les bagnoles et tout. Voilà. Oh putain. Alors je sais pas s'il peut me niquer, mais je pense que oui. Mais ouais, je pense que c'est moi qui veux de toute manière là. Allez, gros cœur là-bas. Gros cœur là-bas. Hein, hop, comme ça, ils vont tous se faire bouffer. Moi, je me casse. On la joue en mode rabbit, rabbit. Et on rentre dans la zone de mission. Ok, Doc. Parlez-moi du silo. Ce sont les laboratoires Hauser. Le cœur des recherches sur les dragons de sang. Et la nurserie où on les élève. Les élever?
Sloane. Dites-moi, Doc, comment vous vous êtes retrouvé avec ce taré? Quand les États-Unis ont enrayé l'invasion soviétique en atomisant le Canada, nous n'avions plus rien. Sloane nous a offert un toit et un but. On ignorait qu'il était devenu fou. Ok, Doc. C'est l'heure de la sieste. Ils sont un peu buggés au niveau des IA. Pénétrer les laboratoires Hauser. Mais le truc bien, c'est que là, j'ai foutu un petit peu le bordel là-haut. Du coup, ils sont tous partis là-haut. Et j'ai même pas à me faire chier, quoi. C'est... Hop là. C'est peanut. C'est total peanut, quoi. Tant mieux pour nous, hein, on gagne du temps au final. Hein. Mon bordel fait qu'on gagne du temps. Bon, bah écoutez, les amis, je pensais pas réellement que c'était possible. La compétence abattage, elle est là. Bien. Bienvenue dans le silo du futur, où tous vos besoins vitaux deviendront réalité. J'y suis, Doc. Pour une nurserie, je trouve que l'endroit est vachement scientifique. Alors, je la coupe un petit instant, juste le temps d'acheter ceci. Ok. Mon inventaire est plein. Ok. Une simple nurserie. C'est à cet endroit que Sloane construit les cages cérébrales pour contrôler les dragons. Ils n'attaqueront pas ces cyber-soldats tant qu'ils porteront les cages cérébrales. Je le permettrai pas. Détruisez les salles de stimulation expérimentale, Rex. Et si vous voyez des dragons avec des cages cérébrales, grillez l'unité de pacification à l'arrière de leur crâne. Ils retrouveront leur agressivité normale et attaqueront les cyber-soldats. Sans ça, ils ne réagiront ni au cybercœur, ni au feu. Détruisez les prototypes de cages cérébrales. Les mecs sont en approche, hein, quand même, on va faire attention à ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a moyen d'esquiver? J'ai l'impression qu'on doit rentrer dans le tas. Hein. Vu les circuits des IA, là, techniquement, ça va être compliqué de faire autrement. Ah, voilà. Ou alors... Il est décidé à mourir, lui. Ok. Ok, ça le fait, ça passe. Évidemment. Allez, dégage. Il appelle pas l'alarme, surtout, quoi. Coucou. T'aurais pas vu une grosse alarme, copain? Non, je la cherche un peu. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon. Apparemment, faudrait détruire tes casques. Putain, merde. Hop. Bon, je suis grillé, hein, techniquement, hein, quand même. Y'a pas d'alarme, mais je suis grillé. Hop. Toi, je sais pas où tu vas. Et voilà. Ah, j'ai plus trop de mun aussi, c'est un peu gland. On va la jouer économie des balles. Alors, on regarde le sonar, les amis. Coucou. Hop, alors la GoPro vient de s'arrêter, c'est pas bien grave, on va terminer l'épisode. C'est l'heure de la sieste. Sans GoPro, les amis. Y a pas de souci. Hop. Il doit surtout manquer de batterie, je pense. Alors, il est potentiellement pas content quand même, hein. Ouais, bon. Hein. On va recharger. Ouais, il est vraiment pas content.
Alors, toi tu construis des robots, d'accord. Là je peux rien en faire, ok. Alors c'était quoi? Trouver et détruisez mes objectifs, j'ai pas vu. Je pense que ça devait être ça. Hein. D'accord. Alors, comment... Ah oui, il y a le générateur, ils en avaient parlé il y a 2 secondes. Voilà. Détruisez le prototype de cache cérébrale suivant. En cette période trouble d'agression soviétique, ce stylo 5 étoiles vous protégera, vous et votre armée rebelle. Juste au cas où il se libère ce grand gland là. Hein? Hein? Au cas où tu te libères? Non? Ah, tu veux, hein? Ouais, mais il y a du verre par balle, ça va être compliqué. Na. Ouais, super Tony, bravo! Les dés du geek! Ok. Ah ouais? Ah d'accord. Ça, c'est la classe. Nanana. Hop, toujours un avantage à monter là en fait. Hein. Voilà, hein, petit cadeau de la maison. Tant qu'à faire, hop, toi la même, allez. Hein. Il y en a pour tout le monde. Voilà, voilà. Ah, toi t'es un balèze, toi. Toi t'es un warrior, t'es un winner. Allez, tiens. Cadeau. Il m'a dit de le faire gicler. Bah voilà, hein. Alors. Hop. On va récupérer quelques cœurs, ça nous rapporte de l'argent, on va pas cracher dessus. Et je pense que là notre ami va être du coup passé à la prochaine salle de stimulation cérébrale. Libéré. C'est comme ça qu'on fait. Allez. Allez, 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 tu veux pas? Tant pis. Petit bug, hein, y a pas de soucis. Alors, la prochaine salle, c'est par ici. On y va, c'est tranquille. On est déjà passé par là. Ah ouais, d'accord, ok, c'est peut-être en fait... Voilà. Par ici. Zou! Allez, c'est parti. Ouh, ça fait froid dans le dos. Il y a un mec qui a failli me voir. On va désactiver l'alarme. Ok. Allez, va par là, mec. Oups! Voilà, voilà! Voilà, voilà! Hop! Allez, on va faire un petit enchaînement. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Hein. Non. Ça marche pas des masses. Oh, le peuple, quoi! Avec des petites greux, on fait le ménage. Voilà. J'aime bien ce pétard. Un peu de respect, merci. Donc j'ai plus de vie qu'avant, hein. Vous l'avez vu, j'ai regardé la caméra, mais non, ça marche plus. J'ai plus de GoPro. Non, donc j'ai plus de vie qu'avant. Suite à l'augmentation de mes levels. On m'a fait un doigt. Alors je lui en ai rendu ça. Hop. Alors je récupère tous les cœurs. Hein. Ça me fait chaud, cœur. C'est mignon. Hop. C'est quand même assez trash quand on y pense. Hein. Oh, méchant. Fais pas attention à moi. Voilà, et on récupère des munes en plus, donc c'est parfait. Encore un cœur brisé. C'est parfait. Donc il faut que je désactive le truc. Voilà. Il est où le bouton? Voilà.
Détruisez le dernier prototype de cage cérébrale. Oui, sans problème. Hop. Objectif terminé. Alerte intrusion. Ah. Alerte intrusion. À tout le personnel, empêchez l'intrus d'atteindre la porte du silo protégeant la nurserie vulnérable. HUD, nouvelle directive. Affirmatif. Objectif, ouvrez la porte du silo. Voilà, voilà. Hein. Objectif terminé. Waouh. Descendez jusqu'au sous-sol. Est-ce que tu te fiches de moi? Vous n'êtes pas un mauvais gag. Vous êtes une machine à tuer. Sautez. Sautez. Pourquoi est-ce que cette saloperie est si lente? Alors, on va, tant qu'à faire, faire du ménage avant. Et on y va. Il faut que je descende encore. Ça sent le gros piège de merde, surtout. On peut les pousser, ces trucs-là, ou pas? Non, pas vraiment. Vous auriez vu ma tête quand je vais... Je croyais pas trop, là. Alors. C'est ce truc-là, apparemment. Non. Oh! Je suis tombé sur le cul. Sécurisez un lance-flamme et détruisez tous les œufs de dragon de sang. Alerte. Brèche dans le sous-sol. Arrêtez l'intrus avant qu'il n'entre dans la nurserie et dirige les lance-flammes ou d'urgence contre les... à tout le personnel. C'est génial. Veuillez ne pas utiliser de munitions mortelles pour éviter d'endommager les œufs. Oubliez ça. À tout le personnel, veuillez utiliser toutes les munitions mortelles pour arrêter l'intrus. Je ferais bien une omelette. Votre attention, yeah, baby. Les lance-flammes neuro doivent être utilisés uniquement en cas d'urgence. Voilà, voilà. Par le personnel autorisé. Si vous doutez qu'il s'agisse d'une urgence, ce n'est pas de la gueule, le chien. Bonne journée. J'ai plus de balles, j'ai plus de balles. On va reload rapidement. Le chien. Hop, dégage. Dégage, on a dit. Je prends un peu cher là. Ouais, ok. Voilà. Va te faire mettre, enfoiré de cyber-raclure. Va pas m'emmerder, lui. Ouais, il est un peu. Un peu lointain pour la greu. Non, il l'a senti, il l'a senti. Voilà. Et derrière, il y a du snipe, donc on va jouer avec eux. À moi. Loupé. Chacun son tour. Hein. Je vais juste me soigner avant. Voilà. Hop. Bah, les deux d'un coup. Ce petit doigt est allé à la mort. Ça s'est fait. Bon. Alors, par contre, j'ai échangé un bon pétard contre ce lance-là, mais ça m'embête un peu, je ne vous le cache pas. Mais bon, ok, on va y aller quand même du coup. Hein. Alors, cette musique ne présage rien d'excellent. Hein. Oh putain, c'est quoi ce délire? Ah, c'est glauque. Ok, allez, on crame tout ça. Les aime, eux finiment craquant. Alors voilà, je m'attendais un petit peu à la maman qui soit pas contente. Le feu excite les dragons de sang. Il ne les blesse pas. D'accord. Il passe pas de manière là-dedans, donc ça tombe bien pour moi. Et ils sont là. Ouais, t'es pas beau toi. Hein, hein, t'es pas beau. Donc ça te blesse pas du tout. Je sais pas ce que c'est que ça. Donc au pire. Ah oui, j'en ai posé une. Oh. Ok. Ok, ok. Ah ouais, mais si on joue comme ça aussi... C'est pas gentil, quoi. Tiens, bouffe. Je suis vraiment
Oh là là. Comment je peux faire? J'ai pas vraiment de bonnes armes. Qui de l'œuf ou du dragon est arrivé le premier? Ah putain. Alors il y a du lance-flamme là toujours. Il me faudrait autre chose là. Je vous avoue qu'il y a que du lance-flamme sur zone. On va courir hein. Ah là 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 là. Hop. On va les faire tourner, on va les prendre un peu pour des couillons et on va voir ce que ça donne quoi. Allez, dépêche. T'as mangé tous les œufs. Les œufs. L'expression marcher sur des œufs. Voilà. Il est temps de sortir de ma coquille. Il est là-bas, il va arriver. Je me casse. Et je me casse, oui. Oh putain, oui, que je me casse, quoi. Hop, par là, c'est bien, hein. Ouais, là, c'est bien. Putain. Ouh. On va recharger. On va lancer un cœur de l'autre côté en espérant que ça les fasse un petit peu en mode excité. Ouais, super, bravo Tony. Allez, j'ai plein de cœurs. Ici, petit petit. Allez, viens par là. Régale-toi. Hop. Je suis sur le plat, je vous demande. Je me casse, je me casse, je me casse. Vite, cours. Oh là là. Ouf. Alors j'ai pas vraiment d'armes, je suis obligé de la jouer comme ça. C'est pas forcément très cool. Merde. Hop. Il y a plus que cet endroit là en plus, hein, donc on va juste les attirer par là. Que le feu les attire. Allez. Et on va finir donc la petite omelette. Est-ce que quelqu'un veut désobrouiller? Objectif, rejoignez l'ascenseur et fuyez. Alerte, tous les œufs ont été détruits. C'est quoi ça? Début de l'évacuation. D'accord. Activation des protocoles d'autodestruction. Compte à rebours 30 minutes. 3-2-1. Bordel. Allez, on se dépêche. Appuie dessus, bordel, je te demande pas de recharger, espèce de connard. Ah putain, ça me gaffe ça. Typiquement le truc qui me gaffe. Qu'est-ce que ce putain d'ascenseur est là? Oh bordel. Comment ça se fait? Tension dramatique. Alerte. Dragon de sang en approche. Ouais. C'est une des mères. Elle est furieuse que vous ayez carbonisé son... Vous n'avez plus d'atteindre la distance. Merde. Pareil, vous auriez vu ma tête, j'ai flippé comme une grosse daube. Ça te rappelle rien à toi? T'es mignon si je fais ça normalement, c'est pas ça? Non hein. T'es pas... Non, t'es mignon. T'es mignon. Couché. Ouh, bâtard. On va attendre ce foutu truc, hein. Allez, sois mignon. Hop là. Je le sens pas, ce truc, quand même. Hein. Et si t'allais... Ah merde, y'a plus de cube. Je peux plus te faire péter avec. Hé hé, hop là. Oh, l'ascenseur de merde, là. Oh non. La 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 la. Ah! Et merde. Je vais me soigner. Recommandation. Utilisez la tourelle. Sans blague. Allez, zou! Va chercher ta bifle. Ah là!
potentiellement une bonne idée. Hop, au-dessus. Encore du peuple ou pas? Ouais. On profite, on a munitions infinies les amis. Alors je suis concentré, excusez-moi, je parle pas beaucoup. Hein. Hop, j'essaye de viser au maximum sans me prendre de bifle. Parce que j'ai plus de seringue, j'ai plus de vie. Cool, allez c'est parti. Alors, on sort d'ici, on voit rien, mais on sort quand même. Oh, c'est le bordel. C'est le bordel, j'essaye de bien tirer. Enfin, de bien conduire. Ouh là là, faut que je me concentre, je me tais. Sayonara, sushi! Yeah. Ok, bon. Fou. Rex, j'ai tout vu depuis ma lunette. C'était incroyable. Non, Doc. Des peintures de clowns qui pleurent ou des chiens qui jouent au poker, ça, c'est incroyable. Ce que j'ai fait, c'est juste mon boulot. Yeah! Il se la pète un peu dès qu'il réussit une mission. Hein. Je parle pas au taré, je les explose. Ok, rejoignez l'avant-poste. Bon, bah les amis, ça fait 30 minutes que nous sommes ensemble pour cette mission qui a été quand même assez sympathique, je dois vous l'avouer. Hein. C'est un jeu qui me plaît beaucoup et ça me fait vraiment plaisir de le partager avec vous, je vous l'avoue. Hein. Donc, vu que la GoPro est HS, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais la recharger, je vais transférer tous les fichiers, etc. Et puis bah, on va se retrouver dans un cinquième épisode. Ah, on a un ami ici, un petit félin. Un cinquième épisode filmé hein, pour le coup, hein, voilà. Et puis bah, ça sera avec un grand plaisir que je vous souhaite à tous une bonne ou excellente soirée. N'hésitez pas à nous retrouver sur le Facebook, le Twitter, le Google+, qui vient d'être ouvert. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les informations concernant de nouvelles vidéos, plus variées les unes que les autres, ou pas, pour le coup. Voilà, et puis je vous remercie, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao !